Le truc inavouable que vous mangez en cachette. Oh, je peux pas le dire moi. Ah merde. Un truc de junk food justement. Ah bah, le Nutella c'est pour moi. Le Nutella. Ah, ouais. Le chocobon. Dans mon placard il y a toujours un pot de Nutella caché. J'adore ça. Encore, chez Yannick. Tu m'avais dit que t'avais arrêté. Ah, tu m'as donné une règle après 18h. Donc avant 18h je l'en mange. Ah t'as le droit. Okay. C'est un vieux couple on dirait. Scène de ménage. Ah parce que toi on essaie de se maintenir un peu. Bon alors non moi ouais c'est le caramel beurre salé vraiment. Ah ouais. Caramel de très loin. Ouais. Ah ouais, c'est... Ce qui est bien c'est que tu te balades pas avec du caramel beurre salé sur toi. Tu vois faut le faire et tout. Bon ça. Non que ce soit les bonbons que ce soit en pot. Tu peux les acheter. C'est pas de la vraie junk food. Vous mangez pas des trucs vraiment sales. Moi je mange quoi. Pas de Nutella. Nutella, c'est un tour Nutella. Par exemple, mon péché mignon, moi c'est les sandwichs en triangle. Pour un cuisinier. Je rigole pas, c'est un truc de ouf. Sérieux ? C'est horrible, les sandwichs en triangle. C'est dégueu. Ouais, je sais, c'est dégueu, mais je sais pas pourquoi. Ils ont dû mettre une drogue dedans. Parce que j'arrive pas à manger. J'en vois, j'ai salé. Ça s'appelle tramezzini et après ils sont faits. Mais déjà avec ce nom là, je suis sûr qu'ils sont meilleurs. Ouais, déjà parce que moi c'est les donuts dégueulasses. C'est à la rosette, c'est horrible. C'est chelou, tu manges très bien. Écoute, l'endroit où j'ai le plus mal mangé dans toute ma vie, c'était à Rome, figure-toi. Parce que j'avais pas du tout pris d'adresse. Donc on s'arrêtait devant les monuments. Attrape touristes en fait. C'est ça, ouais. Tu nous appelles. C'était genre des boîtes de butonies limite qui ouvraient. Enfin, c'était n'importe quoi. C'est chaud ça. C'est comme si tu vas manger à Saint-Michel à Paris. Ouais, c'est exactement ça. Sinon, tu regardes dans le livre, la Grande 2, à la fin, il y a les adresses à Rome si tu veux aller quelque part. Non, mais là, je pense qu'avec le coronavirus, elle va pas l'inviter. Non, là, je vais rester là. Le truc qu'on vous fera jamais avaler. Un truc qui vous dégoûte. Bah écoute, moi c'est les cervelles que j'aime pas trop manger. Mais encore, tu sais qui est produit comme ça, c'est Yoni qui m'a fait découvrir. Hein. Genre les rognons, la moelle, les riz de veau, c'est Yoni qui m'a fait découvrir et kiffer. Hein. Sinon avant j'aimais pas trop. Maintenant oui. T'aimes bien la cervelle ? La cervelle non, j'arrive pas. Non. Ça c'est prochaine étape, je pense. Il y a encore des restos qui servent ça aujourd'hui ? Il y en a, rognons, il y en a aussi beaucoup. Ah bon ? Ouais, quand c'est bien fait c'est très bon. D'accord. Mais faut que ce soit bien fait en fait. En fait, faut pas le dire. Les produits tripiers sont burger bons, à la cervelle et c'est quand le mec il ouvre. Fait... Moi j'ai été le chef des produits tripiers pendant 4 ans donc c'est vrai que je peux pas dire que. Ouais. Vous pourriez manger de la soupe de chauve-souris ? Qu'est-ce qu'il y a ? Si, le coronavirus par de là il paraît. Ça vient de là le coronavirus. J'ai raté le début. Il y en a marché en Chine où il cuisinait justement des trucs comme ça. Et vous avez déjà mangé vous avez dû faire des voyages de chef. Aller dans des pays, manger des trucs qu'on mange pas chez nous. Genre du singe ou des trucs chelous. Non, singe non, parce que je peux pas. Serpent, requin, serpent, sauterelle, crocodile. Et pourquoi vous. Et alors ? C'est bien ça, moi j'aime bien. Le truc le chelou que j'ai mangé. C'est sucré, salé. C'est comme du poulet grillé. J'en avais goûté moi aussi, sous forme de chips un peu séchés comme ça à New York. C'était super. Mais pourquoi faut pas les manger les pauvres si, parce que bientôt on n'aura plus assez à bouffer pour nous. Tu sais, on vit à crédit sur la planète. Hein. Je sais pas si tu comprends. Oui, on a un crédit, mais je suis même à crédit à ma banque. Donc toi, c'est pas la première fois. Il faut payer les comptes, quoi, tu vois. D'accord, ok. Moi, j'ai pas de produits, franchement. Toi, tu manges tout. Ouais. Tout. On te propose n'importe quoi, tu manges. Ouais, à part du singe. Ouais, voilà. Mais il y a des pays, c'est. Non. Ouais, du chat on l'a goûté aussi hein. Non, quoi non, goûté, hein non. C'est vrai, non. C'est vrai j'ai goûté, je suis allé en Corée et j'ai goûté un truc très très bizarre et là pour le coup j'ai eu beaucoup de mal, c'était des intestins d'ormeaux. Et ça c'était d'ormeaux, c'est quoi de l'ormeau? L'ormeau, tu sais, c'est les gros coquillages trucs, ils ont un petit intestin fin un truc et donc j'ai trouvé quand même le rapport un peu le rapport qualité-prix il était pas ouf quoi. Après c'est je pense qu'en Asie c'est une autre culture donc tu manges des fois l'animal vivant, tu manges le poulpe. Je pourrais pas manger de la tortue par exemple. Tu sais que tu peux mourir hein. En Chine tu bois le sang chaud de la tortue comme ça et tout. Ah mais c'est des narvalos. Moi j'ai vu une vidéo là qui tournait, je sais pas si c'est vrai mais le mec il mangeait un rat vivant. Non. Si, j'ai vu. Si. C'est une souris. Le poids d'une baguette. Voilà. Je vais manger un ratatouille. C'est pas possible. Moi, c'est ma phobie en fait. Mais il lui coupe la tête normal. Avec les dents et il le mange. Ouais, il le mange. Il avait la dalle. Chaque mercredi, de 19h à 20h, retrouvez Leslie dans Less and the City sur VL.